En février dernier, Thierry Marx a inauguré son nouveau restaurant, baptisé Honor, situé dans le 8e arrondissement de la capitale. Un établissement qu'il a créé avec sa femme, Mathilde, qui s'est notamment occupée du design. Celle-ci a chiné, pendant un an et demi, des pièces pour le lieu, en s'investissant totalement dans le projet du chef cuisinier qui partage sa vie. Dans les colonnes du nouveau magazine Gala, en kiosque ce jeudi 16 mars, le couple a évoqué sa compatibilité amoureuse et professionnelle. Thierry Marx a fait la connaissance de cette ancienne photographe reportée, qui a également travaillé pour l'AFP, à Los Angeles il y a déjà 19 ans. C'était dans le cadre du travail puisque le chef de 63 ans cherchait quelqu'un pour l'aider d'un point de vue iconographique sur son livre Planète Marx. Entre lui et Mathilde de Lécoté, ça a tout de suite fonctionné. On a toujours aimé travailler ensemble parce qu'on s'est connu dans le travail. Il y a cette confiance professionnelle depuis le départ, a expliqué celle qui est également designer et mère de deux grandes filles. Pour tout vous dire, si on devait ne plus vivre ensemble, on continuerait à travailler ensemble, a-t-elle assuré. De son côté, le chef cuisinier a affirmé qu'ils ont cette appréciation de la valeur de l'autre, qui est en dehors de leurs sentiments. Supérieur à supérieur à Alain Ducasse, Thierry Marx. Les chefs réunis aux obsèques de Joël Robuchon-Nounet, compagne qui lui a appris à prendre le temps de vivre convaincu que leur vie privée n'intéresse personne, Thierry Marx a toutefois accepté de faire quelques confidences pleines de tendresse sur son couple. Si je ne l'avais pas rencontré, j'aurais probablement tourné seul dans mon silo. Mathilde m'a ouvert aux autres, à ceux qui ne sont pas forcément de mon monde d'origine. Elle m'a appris à prendre le temps d'un bon repas entre amis, alors que j'étais plutôt un homme qui mangeait sur le pouce, debout sur un coin de table. Je pouvais m'endormir sur un fauteuil et aller bosser le lendemain. Je me suis adapté et je ne le regrette pas, a-t-il déclaré. Ma vie tournait beaucoup autour du travail, des voyages, des trekking, du sport de combat, des copains avec qui je faisais des choses un peu folles. Mathilde m'a installé une vie sociale que je n'avais pas, a-t-il développé avec tendresse et reconnaissance. Les confidences de Thierry Marx et de sa compagne Mathilde sont à lire en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 16 mars ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Coadic Guirec.